Maintenant que la France est malmenée sur le continent africain, la France-Afrique est dénoncée par l'opinion publique africaine et internationale. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, ne cache plus sa volonté de liquider les derniers dinosaures de la France-Afrique. Le nom du dictateur Denis Sassou Nguesso est nommément cité sur les plateaux télévision. C'était l'heure de partir, ouais. Ça va mal se finir. Ouais. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui ? Le Cameroun de Paul Biya, voilà. Le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Le Tchad. Denis Sassou Nguesso, qui a été imposé au peuple congolais après le coup d'état militaire de juin 1997 par la France de Jacques Chirac. C'est à quoi s'y attendre? La France a le choix. Revoir ses alliances avec les dictateurs voleurs ayant une réputation entachée de sang. Ou être délogé. Comme un malfrat. Comme on l'observe au Mali, au Burkina Faso et maintenant au Niger. Le despote congolais s'est empressé de se photographier autour de ses généraux, laissant croire à une unité au sein du régime. Ne vous laissez pas tromper, personne ou presque ne supporte ce despote tribaliste. La trahison a revu le costume. La trahison a revêtu le costume du silence et de la fausse obéissance. Le coup de poignard n'est jamais noir. Denis Sassou Nguesso, ange ou démon ?